Allez, demi-finale toujours, mais cette fois ce sont les garçons U15 maintenant sur la piste. Attention, il y a eu du grappige là-bas. Et sur la première ligne, trois pilotes malheureusement ont été incités. Et finalement, c'est Bastien Gérard qui a entendu qui dit qu'il sera à tête du premier virage avec Manon Leroux, le pilote de Pierre pour l'instant, lui placé en deuxième position des pilotes là, qui malheureusement reste à terre. On revient à la course pendant ce temps. Bastien Gérard toujours en tête. Manon Leroux, lui, pour l'instant, à la deuxième position, on fait l'effort avec derrière. À la troisième place, maintenant on retrouve Léo Paparin, il reste encore une place à prendre. Et c'est une quatrième place qualificative, il me semble peut-être Alexis Duclos.